إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام وقفات إن شاء الله مع القرآن العظيم القرآن الكريم وقفات الإمام الزركشي رحمه الله qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an, il dit que le Qur'an, il a à peu près quelque chose comme 90 noms. 90 noms. Et on vous dit que chez les Arabes, généralement, quand on donne plusieurs noms, « Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhal al-jannah » Alors, sallam, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a 90 noms. « Man ahsaha » Pas tu les apprends par cœur. « Hu Allahu al-Khaliq al-Bari' al-Musawwir » Là, là, là. Mais si tu apprends par cœur, c'est pas ça. C'est vivre avec l'oujdan, vivre réellement ce que veut dire un nom et un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, il a plusieurs noms. On va en parler, inshallah, juste après vous avoir raconté deux ou trois histoires sur le Coran. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'empêchait de lire le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » Si nous avions descendu ce Coran sur une montagne, elle serait fêlée, elle serait يعني, détruite par l'humilité, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte, c'est une crainte révérentielle. Si la montagne, elle reçoit ce Coran, « إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا » Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète, pardon, il lui dit « يَا أَيُّهَا المزمل قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَأَنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا التَّرْتِيل أَيُّهَا الْإِخْوَةُ التَّرْتِيل c'est pas une lecture mélodieuse loin de là l'imam Ibn al-Qayyim il dit que التَّرْتِيل مَنْزِلَة c'est une station de foi et il compare ça à ce qu'on appelle vous savez en arabe on dit الرُّتَيْلَة vous savez ce que c'est الرُّتَيْلَة الرَّتِيلَة l'araignée L'araignée qui tisse sa toile doucement. C'est ça ce que ça veut dire, tertil. C'est-à-dire tisser cette toile par laquelle tu comprends ta proximité, tu comprends la profondeur du Coran. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi le Coran, quand nous on le reçoit, il n'a pas cet effet comme il avait l'effet sur les compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, wa innaka latulaqqa al-Qur'an min ladun hakimin alim. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu reçois le Coran. Mais le mot recevoir en français n'a pas la profondeur du mot tulaqqa, tulaqqa al-Qur'an. Pourquoi ? Alors je vais vous expliquer, je vais te donner un exemple pour comprendre ce que ça veut dire tulaqqa. Imaginez quelqu'un qui est à l'étage, qui est au deuxième ou au troisième étage, et quelqu'un qui est en bas. Il lui donne un objet en verre, une bouteille. Il lui dit, je vais te lancer la bouteille. Imaginez dans quel état elle est la personne qui est en bas. Elle est en attention, et elle est attentive, mais elle met tout son corps, tout son être, tout son cerveau pour recevoir cette bouteille. Pourquoi ? Parce que si elle ne le reçoit pas, la bouteille va se casser. Et c'est exactement la même chose que ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai raconté l'histoire du cheikh qui nous racontait, qui enseignait les élèves dans un village. Dans les années 50 et les années 60, je crois. Et il disait, il y avait une dame qui avait son fils qui était au front. Et ce fils-là, il écrivait à cette femme. Elle venait voir Cheikh qui enseignait aux enfants parce qu'il savait lire. Elle lui dit, lis-moi la lettre. Le Cheikh, il dit, j'ouvrais la lettre et je commençais à lire. Il dit, moi je lis et elle pleure. Moi je lis et elle pleure. Il dit, je finis de lire. Elle plie la lettre, elle la met là et elle s'en va. Elle me dit, reste une semaine, 10 jours, elle revient me voir. Elle me dit, lis-moi la lettre. Il lit la lettre, Cheikh, il dit, je lis la lettre et elle pleure. Elle reçoit une lettre de qui ? De celui qu'elle aime. Al-Qur'an min ar-Rahman ar-Rahim. Celui qui est plus miséricordieux
pour nous que notre propre maman et les rois. Risalatun min Rabbi. Kalamullah, laysa ka kalamul ibad. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le Coran pendant combien de temps? Pendant 23 ans sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 23 ans. Est-ce que le prophète ça nous crée ou kafala tansa? Allah subhanahu wa ta'ala dit, on va t'enseigner, tu n'oublieras jamais. Est-ce que le prophète, il apprenait pas comme un petit aujourd'hui? Non, loin de là. Le prophète, il apprenait, il comprenait le Coran. Et quand il lisait le Coran, les gens, ils étaient dans un second état. Je vais vous lire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lit, quand cette ayat est descendue, « Wattur, wa kitabin mastur, firqin manchour, wal baytil ma'mour, wal saqfil marfou, wal bahril masjour, inna azaba rabbika la waqi'a. » Vous savez ce que racontent les muhadithines? Ils disent, Omar ibn al-Khattab, quand il entend ça, il tombe, inna azaba rabbika la waqi'a. Il est tombé malade. Malade, ça veut dire que les gens allaient le voir, comment tu vas? Quand il a entendu ça pour la première fois, vous imaginez? Mat'am ibn Adi, il raconte, il dit, un jour, je venais de la Mecque et je suis allé à Médine. Et je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mat'am ibn Adi, il n'était pas musulman à l'époque. Il a dit, j'arrive à Médine. Médine kanat sakina, elle était dans un état de sérénité. Et les compagnons, ils faisaient maghrib, ils faisaient salat al-maghrib avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils faisaient salat al-maghrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait awakhir surat al-tur. Et il lisait, ata'muruhum ahlamuhum bihada, amhum qawmun ta'goun, am yakuluna taqawwalahu, bel la yu'minun. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Il dit, j'entends ça, le prophète il lit, et moi j'entends ça, كاد قلبي أن يطير. Mon cœur, il voulait sortir de ma cage thoracique. كاد قلبي أن يطير. J'ai failli que mon cœur explose. Écoutez, ayyuhal ikhwa, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à la Mecque. Regardez comment il réagissait par rapport au Coran. Il était à la Mecque. Et il est tout seul. Il est tout seul devant la Kaaba. Imaginez, quand les gens nous disent, regardez, ils insultent l'islam, ils n'aiment pas l'islam. Malik ntaou nas. Malik. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lam yakun bika ghadabun alayya, fala ubali. Si Allah il agrée ce que tu fais, il est agréé de toi, laisse les gens parler. Inna alladhina yulhiduna fi ayatina, la yakhfuna alayna. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tous ceux qui disent du mal sur le Coran, qui disent du mal sur l'islam, est-ce que vous pensez qu'Allah est inattentif? Il ne voit pas, il ne sait pas? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. N'écoutez pas ce Coran. Dites des futilités quand il est récité. Peut-être que vous aurez le dessus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète aussi, وجاهدهم به. جاهدهم به. Qu'est-ce que ça veut dire جاهدهم بالقرآن? Ça veut dire que le Coran, tu as le concept coranique en toi et tu vis selon le concept du Coran. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à la Mecque, il est tout seul, en face de la Kaaba. Utba ibn Rabi'a, Abu al-Walid, il vient voir les gens de Quraysh, ceux qui faisaient subir le prophète les affres de la vie. Il vient les voir et il dit, écoutez, vous reconnaissez que je suis le meilleur négociateur de Quraysh? Ils disent oui. Il dit alors, écoutez, je vais lui parler. Je vais lui parler à cet homme, parce que ça suffit, il y en a marre. Innahu atha fil ardi fasada. Vous voyez, nous avons notre société, nous avons la laïcité, et ces gens-là, ils veulent faire du séparatisme. Mohammed, il veut faire du séparatisme. Donc je vais le voir. Et il va voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Mohammed, ya ibn akhi, toi qui es un homme intelligent, toi qui es un homme relevé, dis-moi, avec ce que tu nous as ramené là, dis-nous, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches la royauté? Tu seras notre roi. Est-ce que tu cherches, yani, antakuna sharifana? Tu seras le plus honorable d'entre nous.
on ne décidera jamais sans toi. Qu'est-ce que tu cherches, ya Mohammed? Est-ce que tu veux être riche? On cotisera, tu seras l'homme le plus riche de la Mecque. Et puis, il lui dit, ya Mohammed, si tu es un peu malade et tu penses qu'il y a quelqu'un qui vient, tu nous dis, on choisira le meilleur médecin pour te soigner. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il l'achète. Il l'achète comme on essaie de nous acheter par un logement, ou par un boulot, ou par un je ne sais pas quoi. On nous achète, comme ça on ne demande rien par rapport à notre foi et par rapport à notre demeure dans l'au-delà. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait? Comme ce que certains politiques aujourd'hui font du clientélisme. Il essaie d'acheter Mohammed. Mohammed, il n'est pas attaché à cette dunya. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, « Afarakta ya Abel Walid, t'as fini? Ok. T'as fini? Est-ce que t'as fini? T'as fini de parler? Ok. Écoute-moi. » Il est tout seul, le prophète. Il est tout seul. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il va lui dire les premiers versets de sourate Fussilat. « Hamim tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyan liqawmin ya'lamun. Bashiran wa nadhira. » فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إنا عاملون. Jusqu'à ce qu'il arrive, il lui lit une petite partie de sourate Fussilat. À un moment donné, Abul Walid, il lui met la main sur la bouche. Il dit stop, arrête. C'est trop lourd pour moi. Arrête. Il revient voir les Quraishites. Il leur dit, laissez-moi m'asseoir. Et eux, ils disent, il est parti avec un visage, il revient avec un autre visage. C'est pas possible. Il leur dit, ce n'est pas de la poésie. Je n'ai jamais entendu des paroles comme celle-là. Ce n'est pas de la prose rythmée. Ce n'est pas des chansons. Ce n'est rien de ce que vous avez connu. Ce n'est rien de ce que vous savez. Et vous savez que je connais la poésie, je connais la prose, je connais tout ça. Mais ce n'est rien de tout ça. Et c'est quelque chose, ces paroles-là, ce ne sont pas les paroles d'un être humain. Ce n'est pas possible. Il le regarde, il dit, « Saharaka Muhammad, il t'a ensorcelé. » Regardez comment le Coran, quand il prend dans les êtres, il transforme les êtres. Dernière histoire, Yuhal Ikhwa, Ja'far ibn Abi Talib, quand il est parti au Négus d'Abyssinie. Qu'est-ce qu'on ramène au Négus d'Abyssinie? Amr ibn al-As, qui n'était pas musulman à l'époque, il ramène des cadeaux, il veut racheter le roi, il veut l'acheter. Comme on achète un homme politique, avec des postes, avec de l'argent, avec de... Il veut l'acheter. Il lui ramène des cadeaux, de l'argent. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, les musulmans, ils disent des choses, comme on dit aujourd'hui, vous voyez. Ils disent des choses immenses, immondes sur Jésus. Et on l'a dit sur nous, on l'a dit sur moi, qu'on dit des choses... Non. On dit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et c'est exactement ce que lui dit Ja'far ibn Abi Talib. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous dites sur Isa alayhi salam? Il dit, tu permets que je te dise quelques versets du Coran? Il dit, vas-y. Fatala alayhi ayat al-Maryam, mufkur fil kitabi Maryam. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إنما أنا رسول ربك لأهبك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Le muhaddith, celui qui nous rapporte, il nous dit tous les prêtres qui étaient aux côtés du négus pleuraient. Pleuraient au point de mouiller leur barbe. Regardez le Coran quand il prend aux tripes, quand il prend les gens au cœur, quand les gens ils vivent avec le Coran, ils ne deviennent plus, ce n'est plus les mêmes gens, ce n'est plus les mêmes personnes, ce n'est plus les mêmes hommes. Pourquoi nous, ayyuhal ikhwa, quand on lit le Coran, on n'a pas ces sensations-là? Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans sourate Al-Kahf, il dit « وَلَا تُطِعْ مَنْ أَخْفَنَّا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا إِذَا كَانَ الْقَلْبُ غَافِلًا فَالْقُرْآنُ لَا يُؤَثِّرُ عَلَيْكَ » Si le cœur est inattentif, le Coran n'a aucun effet sur notre cœur. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة, من أسماء القرآن, parmi les noms du Coran, al-dhikr, le rappel. Ma'na al-dhikr,
dhikr, il te rappelle ta condition, le Coran. Il te rappelle que tu es mortel. Il te rappelle qu'il y a quelqu'un, qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui te regarde. Il te rappelle que les anges sont tout le temps avec toi. Le Coran, il te rappelle ta condition humaine. Min asma'i al-Qur'an al-huda, la guidée. Min asma'i al-Qur'an al-furqan. Yataqillaha yaj'alahu furqana. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui craint Allah, il lui donne un discernement. Tu ne vois plus les choses de la même manière et tu ne vois plus les choses comme le commun des mortels. Et je vous ai raconté l'histoire de Sayyidina Othman qui lisait le Coran et quelqu'un qui passe dans la rue, qui voit une femme qui le regarde de haut en bas, quand il rentre, il lui dit « Salam alaykoum ». Et Sayyidina Othman dit « Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ayadkhulu alayna ahadakum wa fi aynayhi atharu zina ». Quelqu'un d'entre vous, il rentre et sur son visage, sur ses yeux, on voit les traces de la fornication. « Qala wahyun ba'da rasulillah ». Qala non. Il n'y a pas de révélation après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais « Inna al-mu'mina yara bi nurillah ». Al-mu'min, il voit avec la lumière de Dieu. Et d'ailleurs, parmi les noms du Coran, « An-nur ». Parmi les noms du Coran, « Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ». Parmi les noms du Coran, « Ar-ruh ». Et « ruh », c'est quoi? C'est ce qui rend le corps vivant. C'est ce qui rend le corps vivant. Tu enlèves le ruh, il n'y a plus rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Amwatun ghayru ahya ». Celui qui n'a pas le Coran, « Amwatun ghayru ahya ». « Wa in qala ana muslim, mais moi je suis » Sourate Fussilat, on va revenir dessus, incha'Allah, yuha l'ikhwa. « Nalladhina qalu rabbuna allahu thumma staqamu, tatanazzalu alayhim al-malaikatu an la takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati, lati kuntum tu'adun. » في آخر الآيات يدي الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين point إنني من المسلمين سي الله كي يدي في القرآن يا با دو حزب لا تدعو إلى نفسك ادعو إلى الله ادعو إلى الإسلام با بور تون انتيري با بور تون بارتي با بور تون شيخ با بور تون ادعو إلى الله قال إنني من المسلمين اللهم اجعلنا من المسلمين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين أيها الإخوة الكرام ناس مرضى مرضى من المسلمين دي جان كي سون دون كوما كي نو دوموند الدعاء الله سبحانه وتعالى يشفيهم إن شاء الله ويرفع عنهم الضر ناس عندهم وساوس الشيطان اون فا روفنيغ سور سا إن شاء الله كالله سبحانه وتعالى يرفع عنهم الوساوس ويرفع عنهم الضر آمين يا رب العالمين ناس كي سون فريمون مالاد كي بو دوموند الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم من فوق سبع سماوات اللهم اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم